Ce n'est pas parce que ça plut à certains êtres religieux de créer les quatre fêtes cardinales les plus importantes de l'année. Noël, la naissance du Christ, Pâques, la résurrection, la fête de Saint-Jean pendant l'été, et la fête de Saint-Michel à l'automne. Ils ne sont pas par hasard, vous le savez. Ce sont des phénomènes cosmiques. C'est toute une histoire astrologique, oui, et même kabbalistique, que le soleil, dans son parcours, il passe par quatre points cardinaux. Et de là, il se déclenche, il se déverse des forces et des énergies pour toute l'humanité, pour toute la nature. C'est pas seulement pour les humains, pour les plantes, pour les végétations, et pour les animaux, pour toute la Terre, et les planètes même, et les humains. C'est parce qu'il y avait justement ces phénomènes que les initiés, qui les ont constatés par leurs moyens, oui, très riches, leurs moyens occultes, sont vérifiés sur place. Alors ils ont vu que si l'homme était attentif, si l'homme était réceptif, préparé pour recevoir ces effluves, ces courants, oh, quelle évolution, quel développement, quel épanouissement se serait produit. Et c'est pour cette raison que les initiés, depuis l'Antiquité, ils nous ont donné certains conseils, comment se préparer et comment recevoir ces courants et dans quel but. Oh, comme dans la nature, le Christ naît chaque année à minuit. Ça veut dire que la nuit la plus longue commence, la lumière, la vie, le soleil change. Et les nuits commenceront à diminuer, les journées augmenter, plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Et alors tout ça se ressentira sur toutes les créatures. Et regardez les résultats, les conséquences sont inouïes, indescriptibles, on ne peut pas les classer. Alors, dans la nature, le principe christique naît. Dans la nature, le 25, c'est la naissance de cette vie, de cette lumière, de cette chaleur qui va grandir, grandir, et l'enfant deviendra tellement puissant, tellement capable de tout transformer. Voilà le côté symbolique tout d'abord. Et qu'il y a une fête en haut aussi, les anges qui chantent, tous les grands maîtres, les initiés, tous sont réunis pour chanter, pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel et fêter cette fête justement de la naissance du Christ qui naît en réalité. Avant le côté historique, le Christ naît dans la nature, c'est-à-dire dans le cosmos, comme manifestation de la vie, le commencement de tous les jaillissements. Et après, dans chaque âme humaine, au point de vue mystique, il doit naître, c'est-à-dire comme une conscience, supraconscience, comme un amour divin, comme une compréhension, comme un amour, comme un sacrifice. Alors c'est ça l'enfant Jésus, justement. Et si on n'a pas toutes ces choses-là, l'enfant Jésus n'est jamais né encore. Le côté mystique et cosmique, ils sont les plus importantes. Parce qu'ils sont une réalité. Chaque année, le Christ naît. Et à chaque moment, il peut naître en vous. Vous pouvez réviser l'histoire autant que vous voulez, tant qu'il ne naît pas en vous-même, vous ne sortirez ni la chaleur, ni la lumière, ni la bonté, ni le bonheur, ni la libération, ni rien. Alors à quoi ça a servi qu'il était né il y a 2000 ans? La naissance de Jésus. C'est un fait, c'est un phénomène dans les trois mondes. Dans le domaine cosmique, n'est-ce pas?
dans le domaine psychique, c'est-à-dire mystique, dans chaque être humain, il doit naître comme un principe. Le principe christique, esprit christique, et qui se manifeste autrement. Il y en a beaucoup d'êtres sur la terre déjà qui ont ce principe christique, puisqu'ils sont capables de faire des choses merveilleuses, désintéressées. Alors, il faut reconnaître, même si personne ne reconnaît, que c'est le Christ qui habite en dedans, c'est en réalité, c'est le Christ, c'est son principe qui est propagé partout dans l'univers. Il y a donc trois naissances. Croyez-moi, trois naissances de l'enfant Jésus. Tout d'abord, il naît dans l'intellect. Enfin, on a une lumière éblouissante. On était illuminé, éclairé, enfin, on a compris. Mais il faut naître après dedans. Et c'est, ça viendra. Du moment qu'on continue, ça viendra la naissance dans le cœur. Et quelque temps après, dans le plan physique. Et vous direz, pourquoi dans le plan physique? Parce que je vais vous faire entrer dans les degrés supérieurs de l'école initiatique. On ne peut pas avoir la naissance de Jésus si l'homme n'a pas compris la mer, la terre. Si on ne sait pas qu'est-ce que c'est la terre, si on n'a pas de relations affectueuses, respectueuses, conscientes avec la terre, la mer, on n'aura aucune possibilité de changer son corps physique. Si on n'a pas de relation juste avec la terre, parce que notre corps est en relation avec la terre, et il va retourner à la terre, puisqu'il est tiré de la terre. Donc, comme il est son fruit, son enfant, s'il n'est pas en relation correcte avec la terre, l'enfant Jésus ne peut pas naître dans ses actions, dans son corps physique. Alors là, c'est toute une science prodigieuse qui touche les relations, le comportement avec la Terre. Comment lui parler, comment se comporter, comment puiser des forces et comment lui donner tout ce qui n'est pas bon. Parce que là, dans ce laboratoire, en dedans des usines, des laboratoires extraordinaires, qui peuvent tout transformer et vous le donner en état pur. Alors, vous voyez, donc, la naissance de Jésus, c'est une question extrêmement importante que tous les initiés s'occupaient, et même dans l'Évangile, il est dit. Un des apôtres, Saint Paul, qui disait, « Oh, mes enfants, il disait, quelle peine, quelle difficulté je me suis donné pour faire naître l'enfant Christ en vous. » Donc, vous voyez. Donc, il comprenait ces choses-là. Donc, l'enfant, le Christ, devait naître dans chaque âme humaine. Si on s'arrête seulement sur les paroles que l'ange avait dit au berger, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez répéter les paroles de l'ange devant le berger. Gloire à Dieu, n'est-ce pas, au Très-Haut, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà des paroles extraordinaires. Est-ce que vous les avez déchiffrées? Pourquoi il a dit la paix chez les humains de bonne volonté et à haut? C'est la gloire. Exactement, quand l'enfant naît, il glorifie le Seigneur. Il a une gloire partout et il a une paix.
qui s'installe. Donc l'enfant apporte la plénitude. Mais l'enfant divin, c'est lui qui apporte l'apaisement, la tranquillité. Et alors les parents, à ce moment-là, il a une plénitude. Et la formule que le maître nous a donnée, l'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie, contient le plus grand mystère aussi. Parce que l'amour de Dieu, dont l'âme doit recevoir cet amour comme la femme reçoit l'amour de son mari. Cet amour-là, divin, apporte la plénitude de la vie. Donc, il amène l'enfant Jésus. Parce que l'amour n'est rien d'autre que une naissance. Un moyen de naissance. Hein? Pour les initiés, c'est comme ça. Alors, l'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. Et sachez-le désormais, mes chers frères et sœurs, que le maître vous a laissé une formule parmi les plus grandes, les plus puissantes, qui contient une science. C'est ça. D'accepter cet amour divin pour faire naître l'enfant divin qui apporte la plénitude de la vie. C'est l'enfant qui apporte la plénitude. Et l'amour n'est rien d'autre que la prédiction, l'annoncement de l'enfant qui s'approche. L'amour de Dieu qui apporte la plénitude de la vie. Voyez, c'est caché un grand mystère. On n'a rien inventé comme formule sans qu'il a caché en dedans toute une science. Ce n'est pas seulement pour le répéter cette formule pendant les repas, mais pour que nous puissions arriver à avoir cet amour de Dieu, d'effleurer notre âme, et notre âme qui devient comme un mari, et de concevoir un enfant, le Christ. Et après, que des changements dans l'existence. Et dans tous les domaines, tout s'éclaircit, tout s'arrange, tout s'améliore. La paix arrive, la beauté, la jeunesse, la force, la santé, l'amitié, la foi, tout le monde vous aime, tout le monde vous cherche, et tous les problèmes commencent à se résoudre. Alors vous voyez, est-ce que ça vaut la peine maintenant de travailler une année pour la naissance de Jésus. Et pour finir, je voulais seulement vous présenter en quoi de votre vie intérieure, de savoir que ce n'est pas une histoire seulement qui est arrivée il y a 2000 ans, mais que c'est un phénomène réel qui se produit chaque année dans la nature et dans les humains. Aujourd'hui, c'est la naissance réelle de l'enfant Christ. Seulement, il faut le chercher, il faut le trouver. Il y a quelque part qu'il est né. Alors, il faut se diriger d'après l'étoile. Alors, c'est vous maintenant, les trois mages. Et après, quand ça sera à vous-même, les autres deviendront les trois mages, le monde entier. Maintenant, je vous souhaite la paix, l'harmonie, la lumière, mes chers frères et sœurs, et le bonheur ainsi que la richesse.